Salut, salut les amis et bienvenue dans l'Instant Gram. Aujourd'hui, je vais vous partager encore un petit compte Instagram, bien sûr, comme d'habitude. C'est le but de cette émission. Si vous ne savez pas en quoi consiste l'Instant Gram et comment ça marche, je vous invite à regarder l'épisode numéro 1 sur notre chaîne École Tech Geek dans la playlist l'Instant Gram, bien sûr. Aujourd'hui, on va parler d'un petit compte Instagram. Comme l'autre fois, on en avait parlé dans l'émission numéro 4 ou 3, je ne sais plus exactement. 3, il me semble. C'est un compte qui regroupe, encore une fois, des photos sympas. Donc, on voit donc que ce compte a été fondé par cette personne. Le créateur, c'est cette personne et cette personne. Et il y a des affiliés. Celui-là. C'est-à-dire ils sont affiliés à ce compte-là. C'est-à-dire ils font des photos. Et de temps en temps, ils les proposent donc au créateur ou au fondateur pour qu'ils les mettent sur leur compte Volksoo. Donc c'est un peu un regroupement de plusieurs Instagrammeurs. Voilà. Il y a un lien ici, je sais pas pourquoi. Voilà. Cliquez, vous verrez bien. En tout cas, c'est un compte Instagram. Voilà, bref. Volksoo, j'aime bien aussi parce que c'est de la nature, encore une fois. Alors, souvent, il y a un peu les mêmes photos qui reviennent comme ça d'une maison au bord d'une rivière, au bord d'un lac avec un bateau. Et parce que je pense qu'en fait, il y a une des personnes qui habite là-bas. Donc il poste souvent là-bas. Donc vous allez voir, c'est assez sympa. Il y a quelques petits montages des fois, mais en général c'est assez cool. Oula, le chat qui a peur de l'eau. Elle est jolie. Même si je suis pas fan des chats, elle est jolie parce que là, le chat il a senti l'eau sur ses pattes. Il a peur, il se barre. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? Ça, c'est pas un montage sans déconner. Enfin, je sais pas, mais moi je trouve ça bizarre quand même que d'un côté de la route ça soit rose comme ça et de l'autre côté ça soit marron. Moi je pense qu'il y a eu un traitement de l'image à partir de la bande ici blanche. Il y a eu un traitement d'image sur le rose ici. C'est fortement possible. Ou alors il y a que des sakuras. Ah ouais, peut-être qu'il y a que des sakuras ici. Que des sakuras de ce côté de la route et de l'autre côté il n'y en a pas. Donc c'est ce qui explique aussi. C'est peut-être pas forcément un montage, mais voilà. La petite cabane dans la forêt qui va bien. Alors ça c'est le top franchement. Si je pouvais avoir une petite cabane comme ça dans la forêt, ça serait vachement cool quoi. Là c'est forcément un montage, on est d'accord. Ok, on va pas aller plus loin. Ça doit être en Irlande, je pense. C'est pas marqué, hein. C'est dommage hein, parce que voilà. Mais c'est joli, des toits en herbe comme ça, petite maison en pierre, c'est cool. Bon ça c'est hein, vous le savez, Machu Picchu avec le lama qui pose au Machu Picchu. C'est dommage qu'il marque pas putain les trucs là. Si c'est marqué là Machu Picchu, mais après bref. Ensuite le chat dans le sac, voilà. Pour ceux qui suivent Norman sur YouTube, il a acheté un sac comme ça pour son chat. Voilà, c'est rigolo, 5 minutes, j'aime pas les chats. Bref, autre chose de sympa. Le dinosaure. Lui, avec son costume de dinosaure, souvent il est là-dessus. C'est rigolo. Bon, c'est rigolo. Devant une cascade, en plus, faut le faire. Les photos comme ça, j'aime bien aussi. Quand on voit juste les pieds de la personne qui dort, avec un paysage, voilà, on imagine qu'il est tranquille dans sa tente ou dans sa bagnole. Enfin, en général, c'est un van qu'ils ont. Et voilà, dans un paysage comme ça, c'est plutôt pas mal. Alors, il y en a encore une là. Le mont Fuji. Là, je sais pas qui c'est qui a pris la photo. Mais... photo by machin, voilà. Et sélectionné par machin. C'est comme je vous ai expliqué l'autre fois. Mais c'est sympa. Tokyo sous la neige, apparemment. Tokyo ou pas Tokyo? Non, c'est pas Tokyo. Ça, c'est New York. New York sous la neige, allez. On la regarde vite fait. Il y a une musique, vous l'entendez pas forcément, mais il y a une musique. Ouais, c'est sympa, ça ralentit, c'est pas mal, allez. C'est cool, faut le faire, c'est cool.
Des cerfs. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Voilà, je vous la montre, mais j'aime pas. Pourquoi j'aime pas? Parce que j'aime pas ces paysages. Voilà. Les cyprès alignés, ça peut être bien, mais déjà, je suis allergique aux cyprès. Donc, résultat, voilà, vous savez comment me tuer. Amenez-moi un cyprès. Non, j'aime pas. J'aime pas. Franchement, j'aime pas. C'est sec. Là, le vert, il est même pas. C'est du montage. Parce que si c'est sec là, c'est pas vert là. Hein. C'est pas possible. C'est sec partout, quoi. J'aime pas ces paysages-là. Moi, je déteste ça. J'aime bien quand il y a de la verdure. Quand c'est des forêts. Voilà, ce genre de truc. Voilà. Je vous fais défiler un peu pour que vous voyez les différentes photos qu'il y a. C'est assez sympa. La bibliothèque, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que c'est une grande bibliothèque quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on a de bien? Ça c'est sympa. Je sais pas où c'est. En Islande. En Islande, la maison, voilà, au milieu de nulle part, il y a juste un chemin. Elle est entourée de pierres pour pas que les loups, les animaux viennent. Avec un arbre dedans. C'est fou, quoi. Qui habite là, quoi, les gars? Qui habite là? Le mec, il vient comment? Il vient comment? En hélico? Je sais pas. Bref. Peut-être qu'il y a un village à côté et qu'on le voit pas, hein, si c'est possible. Ensuite, bon, la neige. J'aime bien la neige, mais. Trop de neige tue la neige. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'il y en avait des sympas, mais voilà. Ça, c'est sympa. Dans le sens où c'est pas un montage. Hein. C'est véridique. C'est vraiment. Enfin, ça, c'est des portes. Ça s'appelle des portes. C'est des entrées de temples. C'est en Indonésie, à Bali. Et voilà, il y a des temples comme ça. Qui sont normalement en restanque. Et ça, c'est une porte d'entrée, quoi. Donc là, dans les prises de l'autre côté, ça doit descendre, en fait. Ça, c'est pas mal. Ça aussi là, ça montre un peu des bidonvilles, je sais pas où c'est. On dirait des bidonvilles, je sais pas si c'est vraiment des bidonvilles ou si c'est vraiment des belles maisons, mais voilà. En plus voilà, là, le nom, ça me dit rien quoi. Après si on clique dessus, ça nous montre géographiquement où c'est, à la limite, hein, voilà. Ça y est, pas de souci. Encore la porte ici, un peu plus sympa parce qu'il y a un peu plus de verdure. Toujours Bali, Indonésie, et apparemment c'est la même personne qui a mis la photo. On va voir Christina machin, et l'autre c'est hop 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 hop. T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es un peu loin, dis donc. Non, c'est pas possible. Je suis allé trop vite alors. Dites-moi, dites-moi. Elle est là. Ah, c'est parce qu'elle est là. Je la pensais au milieu. Et non, c'est pas la même photo quoi. Photo Bali machin. Mais je pense qu'avec les hashtags en fait. Ils ont trouvé des gens qui faisaient à peu près les mêmes photos. J'espère que vous m'entendez bien, parce que moi, des fois, je suis un peu loin du micro, mais bref, on montera le son, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a encore de sympa? Les petits chiens, les petits chiots, je suis moins fan, c'est comme les chats. Voilà, après, il y a des trucs de poudre, de fumée. Ça peut être intéressant comme concept, on va regarder vite fait. Voilà, il n'y a pas de musique, il y a juste la poudre. Ça c'est fait avec une application, hein. Voilà. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a de sympa? Ça c'est un montage, mais c'est un montage plutôt sympa, je trouve. Voilà, un mec qui tracte la lune, quoi. C'est un truc de fou. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est plus sympa ça, la lune là, que ça. Ça c'est moche. Pourquoi tu mets un arbre, quoi? Puis en plus il y a les racines, non, ça j'aime pas. Ça j'aime pas, ça j'aime bien. C'est conceptuel, j'aime bien. Et puis après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit les girafes, ouais, cool. Là aussi, pareil, conceptuel. Hein. Ouais, d'accord. Ok. Souvent, il y a toujours les mêmes thèmes un peu qui reviennent. Vous voyez, New York, les ponts, les châteaux. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Les chiens, je sais pas, ils kiffent les chiens, pardon. La porte du temple, machin. Ça c'est cool, je sais pas où c'est, mais c'est vachement cool en tout cas. J'aimerais bien dormir là. Ce serait pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Bref, on va pas faire plus long parce que là on a passé des heures et ça sert à rien. On va remonter et donc, comme d'habitude, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à Volksoul. Ils ont quand même pas mal d'abonnés, hein. 208 000 abonnés. C'est pas mal, hein. Quand même, les enfants là. Donc, si vous aimez Volksoul,
N'hésitez pas à aller vous abonner, bien sûr. Le lien est dans le descriptif de l'émission. Et on passe à la suite tout de suite. C'est parti. Voilà, comme d'habitude, si notre travail de vous partager des photos, ça vous plaît, eh bien, allez vous abonner donc sur l'Instagram de l'Instagram. Je le répète, les photos qui sont là-dessus ne sont pas les miennes. Ce sont des photos de gens que j'aime bien. D'ailleurs, si vous cliquez sur, par exemple, celle-ci, voilà, vous voyez que il y a marqué « Repost » ici. Et la personne en question, donc Volksoul, et si vous cliquez dessus, eh bien ça vous ouvre l'Instagram de Volksoul, et donc vous pouvez vous abonner à cette personne. Voilà, c'est pour ça que l'Instagram a été fait. Voilà, voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir le mien Instagram qui est ici, @timena, ça c'est mon vrai Instagram avec mes vraies photos, et aussi d'aller sur le site ici, www.mirifique.fr pour voir toutes les autres émissions qu'on fait, mais ne vous inquiétez pas, donc tous ces liens sont dans le descriptif de l'émission comme d'habitude. Je vous remercie et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne École Tech Geek. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, bye bye. Avant de partir, j'allais oublier. Tu vois ce que j'ai dans la main là? Tu le vois pas? Sérieusement? Si t'es sur YouTube, tu le vois de toute façon. Hein, voilà. Bah là, tu cliques. Je m'en fous, je reste là. Je reste là, je suis pas pressé. Tu peux quand même vérifier les Facebook et compagnie. Hein. Ouais, vas-y. Vas-y, je t'attends. Ça y est? Ah, c'est cool. Allez, à bientôt alors. Ciao, ciao.